I was born in Moscow. But I remember nothing of that time. I was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire. I, along with 40,000 others, were saved by retreating to the metro stations deep under the city. Now, 20 years have passed, and going up into the embrace of an endless winter was left to a few brave souls. The metro was our home, and our fortress against the nightmarish mutants who roamed the tunnels. Still, we never gave up hope that we would return to the surface. But one day, a new threat appeared, and we found ourselves in a war to determine the very existence of our species. Bonjour à tous et à toutes, c'est Luminéry. On se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur Metro 2033 Redux, qui est le remaster en fait de Metro 2033, je crois. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis n'importe quoi, parce que c'est tout à fait possible. Je vais même pas checker si Redux voulait juste dire que c'est un remaster en fait. Bon bref, dans tous les cas, c'est un let's play que je vais faire depuis pas mal de temps. En réalité, depuis que j'ai fini Metal Gear Solid, et que je n'avais pas vraiment le temps de faire, étant donné que j'avais pas mal d'idées en tête. Et au final, j'ai dû faire un let's play sur Final Fantasy X, qui est quand même un jeu qui me fait fort plaisir à commenter. Et là, maintenant, ce qui a changé par rapport à maintenant, par rapport à avant, c'est que il y a pas mal d'événements qui sont passés dernièrement. Et je pense intérieurement que c'est le moment parfait pour vous faire découvrir ce jeu et pour me faire découvrir ce jeu également. Et donc, j'espère que vous avez tous passé un très bon moment. The tunnel grew colder. Miller and I were close to the surface now. Soon, we would climb up into the howling wind to fight our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end. But would I have the courage, the will to see it through? Hey, Artyom, when you left your home station, do you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world, or send it straight to hell. Gotcha! What? We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Bon, alors ce que j'ai pas précisé dans l'introduction, c'est que... Est-ce que j'ai précisé ou pas? Je pense pas l'avoir précisé, mais... C'est la 7ème fois que je tourne la vidéo. Et donc, parce que c'est la 7ème fois que je tourne la vidéo et que je vais pas la tourner une 8ème fois... Petit aparté, 2 secondes. Ok, petit aparté, c'était pour voir si j'avais bien lancé l'enregistrement, étant donné que ça fait 2 fois parmi les 7 que je... Parmi les 6 dernières. Oups, c'est j'oublie de lancer l'enregistrement tout simplement. Alors entre Linux et les problèmes de driver audio et les problèmes de mon côté parce que j'ai oublié de prendre un café et je suis pas concentré. J'aimerais bien que ce soit la dernière fois que ça m'arrive. Par contre, il y a plus de bugs de lumière qu'avant. Bon, c'est pas grave. On va faire avec pour cet épisode là. Ready, Artyom? Follow me. J'arrive. Vous allez voir qu'en fait, je suis vraiment une plaie en FPS. Hein. Mm-hmm.
Seems like nobody's home. Si, je récupère le journal. This is the Korolev performance room. It's really close to the top. Hold on, wait. Allez, chargé, chargé. Ah non, il est pas chargé. Here they come. Ah ouais, je voyais pas graphique ici. C'est vrai que quand les persos ils font des roulades et je crois que je suis pas enfermé. Bon, sans grande exagération, hein, je connais l'intro par cœur maintenant, donc je suis désolé si je fais des références à... Ah, mes anciens essais pour le tournage de la vidéo. Ils me disent de courir mais ils courent pas. Glad to see you, Colonel. Did you hear that? Listen. What the hell is it? Form a circle! Since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20 and could never have imagined what would follow on the morning that my stepfather's friend Hunter arrived at the barricade.
marked him. Awake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Il y a pas mal de côté cinématique pendant l'intro, donc j'ai pas beaucoup, j'ai pas énormément parlé en fait pour ce premier épisode. Hein. Bon. Let's go, on verra pour la suite. Shit. Pigs, disease. I've been to the worst. Hello. I'm giving up. Hello, Artem. What's your plan for the dark? Hand them all down and shoot them. The station can't survive much longer if these attacks don't stop. We must do something. What more can we do? Fermé. The Dark Ones will kill us all. We'll see what Hunter says. Sergei, have you seen my Sergei? Hello, Artem. Relax. Another patrol was attacked last night. The hospital's full. Pour les graphiques, je vous rassure, c'est que pour le premier épisode que ce sera comme ça. Parce qu'en fait, j'ai un peu mal lancé le jeu, j'ai remarqué. Oh, that's you! Come on, Alex. Hello, Artyom. Bonjour. How are the wounded? Not much improvement. Two died this morning. The Dark Ones do not kill outright, but they damage a victim's mind. But when will this ever end? I can't take it anymore. It's Hunter. Mutants don't knock first. Open the damn gate. Welcome to exhibition, Hunter. Thanks. Now close your gate. It's been a long time, Hunter. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. This is something else. What the hell? Something much worse. Dark Ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. Intruder alarm in main vent shaft. They're coming in from above. Shit. Just what we needed. There are wounded here just behind the wall. Kirill, take your group to the tunnels. Alex, Hunter, we must stay here and defend the hall. All right, our team, quickly, get a weapon. Damn, they never come this far into this station. It's the hospital. They smell the blood. Oh.
courir. Non, non, ça va pas. Of course. Did I shot this one? No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the Nosolises run through the tunnels like rats. The dark ones are not simple mutants. They're Homo Novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your Homo Novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, Hunter. 10 soldiers trained in combat. Body's broken, their mind's gone. The Dark Ones! They destroyed the outer guard post! What's happening up there, beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully, Atium. If I'm not back here by morning, you must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me, and what's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller, so he knows I've sent you. I trust everything to you, Atium. Don't let me down. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Understand? Hunter did not return. It wouldn't be easy to find an excuse to leave the station and travel to Polis, but I had given my word. I learned that the caravan was heading to Riga the next day and needed guards. I signed on for the ride. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Finally! Taking your time as usual, huh? Alright, grab your gear, go to the platform, they're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Артем, don't forget anything, huh? Вот стоц перевертоться, бабушка здорова! Вот стоц перевертоться, кушает компот! Вот стоц перевертоться, ей мечтает снова! Вот стоц перевертоться, пережит налет! Comme ça, rien vu. Vous n'avez rien vu. Bon, pour ceux qui l'ont remarqué, félicitations. Voilà. Voici le livre original dont est adapté à... Enfin, le livre original, tout simplement. On va t'adapter le jeu. Hein. Que je n'ai pas lu, bien sûr. Parce que sinon, pour moi, ce ne serait pas une découverte. Et ce serait plus... comment dire. Je sais pas comment appeler ça. Enfin, bref. Et... ouais. Je pense qu'on va finir cet épisode en lisant un peu le lore. Car c'est important de lire. Et c'est important de prendre ce qui se passe dans l'histoire. Alors, ça c'est le carnet qu'on a récupéré à l'introduction, donc au tout début du jeu. Aucun des combattants de l'ordre n'a jamais vécu à VDNKH, l'exhibition comme ils l'appellent. Alors, pourquoi risquent-ils leur peau pour sauver de parfaits étrangers?
Peut-être pense-t-il, comme moi, que les sombres constituent une menace non seulement pour cette misérable station oubliée de tous, mais aussi pour le métro tout entier. Et même si leur motivation reste pour moi un mystère, je ne puis m'empêcher de les admirer. Ils se fichent bien de la station dont nous venons, de nos croyances ou de notre régime politique. Seul compte, à leurs yeux, le fait que nous soyons des êtres vivants en danger. Ceux qui rejoignent l'ordre font serment de protéger coûte que coûte le métro, dernier bastion de l'humanité. Certains d'entre eux ont encore l'espoir de triompher, mais la plupart pensent que nous sommes tous condamnés. Pourtant, l'idée de baisser les bras et d'abandonner le combat ne leur traverserait jamais l'esprit. Ils perpétuent ainsi l'héritage des camarades de Hunter, et je n'imagine pas d'honneur plus grand que celui de pouvoir les rejoindre. Hop, hop, hop. 8 jours avant l'introduction. Donc c'est celui qu'on a récupéré encore avant. Non, celui qu'on a récupéré après, pardon. Je dis n'importe quoi. Nos patrouilles qui s'aventurent dans les tunnels du Nord subissent de pertes quotidiennes. Ces meurtres sont d'une sauvagerie dépassant tout entendement, et nombre de ceux qui reviennent ont perdu la raison. C'est pourtant en confiant cette mission à nos amis, nos voisins et nos proches, que nous pouvons tenir les sombres en respect. Quand nous ne serons plus assez nombreux pour repousser leurs attaques, quand ils arriveront jusqu'à la station, s'en sera fini de nous. Ils se murmurent d'ailleurs que nous ne faisons que prolonger notre agonie, que nous n'avons aucune chance de nous en tirer. Mais Sukhoi, mon beau-père et le chef de la station, espère toujours un miracle. Il ne cesse d'affirmer que l'un de ses vieux amis, Hunter, pourra nous sauver. Hunter appartient à l'ordre de Sparte, une fraternité de combattants ayant juré de protéger le métro de tous les dangers qui le menacent. Aucune force au monde ne peut ainsi la peur dans le cœur de ces hommes courageux. Du moins, rien ne le pouvait, jusqu'à l'arrivée des sombres. Ah, celui que je viens de récupérer il n'y a pas si longtemps, là, juste là. Tous nos efforts sont désormais concentrés sur la défense de notre station contre les sombres, ces êtres terrifiants, mystérieux et invincibles. Nous en avons presque oublié nos anciens ennemis, les Nosalis et les Hurleurs. Sans Hunter, ces créatures auraient déjà envahi notre hôpital. Je tremble à l'idée du carnage qu'ils auraient pu faire si Hunter est arrivé une heure trop tard. Et donc pour cet épisode, ce sera tout pour du coup ce premier épisode de Metro 2033. J'espère que ma narration vous aura plu. Haha lol, je n'ai pas parlé, c'était ça la blague. Que ma narration vous aura plu et que le jeu vous intéresse à l'heure actuelle. Et que vous voudrez et que vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'histoire derrière tout ce métro. Et tout ce qui se passe avec les démons. Juste en haut. Bon, pour finir, hein, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine.